alors que pour des raisons environnementales. En 2019, Macron assumait la fermeture de Fessenheim. Et la même année, la loi d'orientation des mobilités interdisait la vente des véhicules thermiques à partir de 2040 en France. Pour Philippe Murer, économiste et écologiste, il y a là une contradiction. Donc déjà, on le verra après, ça augmente les émissions de CO2 en France, ça tend à augmenter les émissions de CO2. Et en plus, donc il dit, on ferme des centrales, des capacités électriques, quand en même temps, on dit qu'on veut des voitures électriques. Vous voyez qu'on est chez les fous. En même temps, il nous faut plus d'électricité pour les voitures, mais on fait moins d'électricité avec des, sans CO2 avec nos centrales. Donc ça n'a aucun sens. Quoi. Ces gens sont arrivés aux limites de leurs compétences, très clairement, et c'est un problème majeur. À cela s'ajoute une série d'autres mesures climatiques qui, pour Murer, n'ont pas de sens. Il va y avoir ce qu'on appelle des ZFE, des zones à faible émission. C'est-à-dire que toutes les grandes villes, dans un ou deux ans, vont être interdites, sauf aux voitures électriques ou aux voitures très très récentes. Donc tous les pauvres et classes moyennes ne pourront pas aller dans les grandes villes, et ça sera des trucs réservés à la caste des riches. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de complètement scandaleux, de complètement ridicule, et ça ne fonctionnera pas du tout. L'objectif des ZFE est de réduire la pollution aux particules fines dans les villes. Mais en tant qu'écologiste, Murer explique que ce but ne pourra pas être atteint. Vous enlevez toutes les voitures de Paris et d'Île-de-France, vous avez toujours 95% de la pollution aux particules fines. Vous enlevez toutes les voitures de France, vous avez encore 85% de la pollution en particules fines. Parce que cette pollution, elle vient, par exemple, énormément des centrales au charbon qui sont en Pologne et en Allemagne, très souvent. Et quand en France, il est interdit de circuler, très souvent, c'est qu'il y a un Vendès qui vient d'Allemagne et de Pologne et qui nous ramène cette particule fine. Donc, ils instrumentalisent, ils mentent, mais surtout, voilà, pour imposer des choses aux citoyens, comme interdire toutes les voitures, très très vite, toutes les voitures à essence, etc. en ville. Il explique que des solutions non polluantes existent déjà, telles que les voitures à hydrogène qui pourraient être commercialisées à l'échelle nationale d'ici 2035. Le seul problème, c'est qu'elles sont trop chères parce qu'elles sont vendues petite série. Et comme elles sont vendues en petite série, elles sont trop chères. Donc il faut casser ça en faisant un grand plan et dans 10 ans, dire aux habitants des grandes villes, vous voulez plus de pollution, ok, on l'entend. Si vous voulez acheter une voiture, elle sera à hydrogène et neuve. On n'interdit pas les voitures à essence. Hein. Et vous avez des voitures qui rejettent de l'eau, qui ne polluent plus, et qui sont sans CO2 et avec une énergie produite en France. Donc immédiatement, vous obtenez un prix équivalent pour ces voitures aux voitures essence et diesel, et vous n'embêtez personne. Plus largement, Murer met en opposition ce qu'il nomme un écologisme mondialiste à sa propre vision de l'écologie. Moi, j'ai une vision qui préserve la liberté, qui est dans le pragmatisme et qui demande l'adhésion des gens. Effectivement, il y a un écologisme aujourd'hui mondialiste qui est à base de punition, d'interdiction et qui ne cherche pas l'adhésion des gens, qui l'impose par la propagande. En France, nous avons tous les outils pour avoir une énergie produite sur place, faite en France, au lieu d'avoir une énergie fossile, par exemple en doublant la capacité nucléaire et en produisant de l'hydrogène qui est l'essence de demain, quoi. Et tout ça, c'est des projets très positifs qui créent 1 million d'emplois sur le long terme, qui marient écologie et économie, voyez, et qui recueilleraient en fait l'adhésion des citoyens, très clairement. Donc la question, c'est qu'attendons-nous pour réfléchir, débattre et agir enfin dans le bon sens. Chacun responsable.